Ok. On va faire un peu de rangement et remettre les stuff nécessaires là. Def, plus d'attaque, plus d'attaque. Toi tu bouges pas. Toi. Non, 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 non. Plus de soins. Il me semble que j'ai toujours un ennemi à essayer de retrouver ici. Et j'ai d'autres ennemis qui me donnent des perrouillés. Je commence déjà avec le grand troll. Il est gentil. Le dégât qui se concentre. Oh! Il est gentil, trop gentil. Aïe. Ah, c'est moi qui fais le coup critique. Il va pas tarder. Alors, il me semble que ces trolls me donnent aussi des graines. Pas les meilleures. Vous allez être content la semaine prochaine. Je vais regarder qui a vraiment le plus de PV, etc. Enfin, qui aura besoin pour que j'équilibre un peu des graines. Et je vais pouvoir commencer à les consommer. C'est un peu trop de monde là. Ici, on va faire prendre plein la gueule. Ils sont vénères. Deux critiques. Ou pas. Elle a le temps de taper, sa bête. Oh, la double. Faut savoir mal quand même. Et ça esquive. Et ça esquive. Les deux côtés. Quel beau combat. Elle fait deux fois que t'attaques. Deux fois d'affilée là. On sait faire beaucoup. J'ai des zéro mort. Avoir des morts là. Oh, oh, il nous attaque derrière. C'est horrible. Ils vont pas me faire le coup de jouer. Non. Un mort. Ah, mais il est chiant, c'est le droit. Il attaque deux fois à chaque fois. Donne-lui soin. Il a pas eu le temps de le faire. Merde.
1500 d'XP quand même le combo. La différence quand même. C'est ça que la zone avec les gluants c'est plus sympa. Heureusement que j'ai pris deux niveaux. Hein. Ah bah ça alors. Oh putain, je suis pas en hache. Non. Non. J'ai pas ma hache. Ils osent m'attaquer. C'est dégueulasse. J'ai pas ma hache. Je dois m'équiper. C'est horrible. Putain, je peux pas... Oh, oh j'apprends un truc. Mais oui, c'est là que j'ai appris. Oh putain, en autant d'heures de jeu, je découvre un truc. Ok. Ah, il y a des coups de jarret qui se perdent. Oh là là. Oh là là, il y a un peu trop là, on se casse. On se calme. On est tout seul, on est désolé. Gardien de l'enfer par contre. Envoi total. Ouais, si je suis bien, je crois que c'est trop. 39 à gauche. Esquiver, on a dit. Je sais plus ce qu'il me laisse le gardien de l'enfer en vrai. Je sais pas pourquoi j'ai. Enfin, je voulais faire ce combo. Deux serviteurs de l'ombre, deux. Ça va me faire mal en plus. Mais deux mêmes.
C'est Jessica qui nécessite les 8 millions d'XP. Un gueux, ça fait moins. C'est moins chiant. Qui font le moins de dégâts. Et l'outil des éléphants, nickel. Oh, il a osé attaquer. C'est très rare. Et un serviteur de l'ombre, un. Oh, 240. Il a survécu. Y'a pas Yangus. Ça prendra de siffler les ennemis. Oh! Ne serait-ce point le monstre qui me manquait? Mais oui, c'est le monstre qui me manquait. Donc, c'est officiel. Le bestiaire de base est complété. C'est la première fois que je le fais. Grosse dernière vérif. Et là, on arrive au boss. Donc, tout ce qui me reste à faire, ce sont les épreuves draconiques pour compléter le bestiaire à 100%. Donc je peux me casser.
ce que je voulais. Non, ça c'est... C'est retour à l'estrade. On y reviendra. Parce que là, maintenant, il est nécessaire pour moi, ben, l'XP. Donc, tout ce qui me reste. Hein. Bon, je vais quand même me permettre de faire un petit truc, histoire d'eux. On va une fois pour toutes chasser les derniers objets dans chaque ville. Normalement dans les donjons ça devrait être bon. Ok, la première ville c'est bon. Trésor, je sais pas où il est. Ouh, le sale trésor de merde. Vilain trésor, vilain. Comment ai-je pu te rater? Il est bientôt. On va tout casser, hein. C'est pas chaud. Un putain de trésor de merde. Bon, j'espère que ça vous fera plaisir, hein, que je fasse 2 heures d'XP. Et 1 heure de nymphe à base de quête à la con. Vraiment là la quête que je veux compléter, c'est pour ça que je vérifie les villes. C'est la quête des mini-médailles. Sachant que je vais peut-être me spoiler à la fin parce que... Disons que j'ai jamais fini cette quête à 100%. Parce que ça nécessite de faire une chasse après grâce à internet, parce que sinon c'est chaud. Je suis quand même content d'être arrivé jusqu'au casque royal sans avoir besoin d'internet. Un succès de zone. Hein. Rien, il n'y a rien, il est tout.
là-bas je peux reprendre les tonneaux. Là je peux fouiller. Les bibliothèques c'était des trucs à lire. J'avoue que j'étais bloqué. Ça ne peut provenir que de dehors. Pardon, de dehors. Alors, les putains de caisses que j'arrive pas à bien voir. Ça c'est mon bateau. Ça c'est l'autre bateau. Ça c'est pas bon, ça je veux pas, hein, mais d'accord. Il n'y a aucun tonneau qui est différent. J'ai déjà tout ouvert, je peux pas tomber, je peux pas tomber. Là y a rien, on est d'accord. Y a rien de caché. Des escaliers, y a rien. Autre escalier, on sait jamais. Non. Là je peux monter. Ok. Okidoki. C'est le bateau. On vérifie si ça correspond ou pas. Ah si, ça correspond. Il est là. Tout ça pour un couvercle de merde. Super. En espérant que je l'ai fini pour espérance. Il n'y avait pas de coffre. Ah, il n'y en a pas. C'est bon. Une de la baie, c'est bon. Ça, normalement il me restait un coffre mais j'ai fini par le trouver. Oh, à ce propos, ça me fait penser, ça me permet de vous montrer un truc. Bon, je vais faire le grand tour, hein, tant pis. Du tout pas au passé. Sac à trésor. Bonjour. Quand même. Mal la première fois, mais là c'est bon.
tiens à rappeler que je suis full stuff. Hein. C'est quand même des armes médicinales. Vous avez vu, je gagne quand même 100 d'XP. Hein. Presque autant que les rois gluants. J'ai vraiment pris la pire direction possible ou quoi? Vraiment bien pris le bon chemin. Est-ce que j'ai mal vu à la fin? My bad. Après là-bas il y a un truc mais... c'est bizarre, je sais pas comment j'arrive encore à me paumer dans ce donjon. Juste à droite. Attention. Il peut quand même y avoir des gros ennemis ici. Je rappelle que Raptor n'a été libéré et tout. Il y a ces sbires qui traînent. Cette grosse vache là-bas. Encore. J'ai bien pas plus grand chose.
copain qui est là. Déjà compté. T'es sérieux de m'envoyer un soleil noir alors que c'était le mob qui me manquait en dehors des... J'ai cherché longtemps et en fait là il était devant mes yeux depuis le début. Alors rappelez-vous ici le problème que j'avais, enfin le problème que je devais régler, c'est la harpe. Encore de l'herbe. La harpe avait été volée, on en avait besoin. On a dû péter la gueule à des taupes, dont un qui s'appelle Mister Taupe. En fait, depuis mon combat contre Mister Taupe, cette zone est entre guillemets à l'abandon. Faudrait que je revoie le replay pour voir si le panneau avait déjà été posé ou pas. Parce qu'il était censé y avoir un panneau alloué. C'est incroyable, il a réussi à tout esquiver de bâtard. Il a survécu un coup. Donc comme je disais, il y avait un panneau où il y avait marqué alloué. Donc il vendait cette carrière. Et là, quand on a fini le jeu, dans cette grotte, il y a quelque chose. Je pourrais me guider un petit peu par... Esquive. Esquive. Tant que je vous montre où est-ce que ça en est, cette caverne. De la gauche. De la tour. Hein ? Là. Normalement, c'est celui-là. Bah y'a plus rien. Ori qui tombe. Ah
pas, hein, c'est bien ici. C'est là qu'il chante. En tout cas, le panneau a disparu. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un, etc. Mais non. C'est bien, je suis tout pour rien. Elle a gagné un petit prix, c'est déjà bien. Genre 168 d'XP par combat. Je suis pas prêt. Evac. Alors ensuite, Picam c'est déjà fait, refait, Astronta c'est bon, Labyrinthe c'est bon, Cabane de la colline, Odin c'est bon, Château de Mini on ira après, Néo c'est bon, la cathédrale, en fait j'ai tout fait après. J'ai à peu près tout fait. On va aller voir où j'en suis avec... J'ai fait très attention après. Il me reste 16 médailles. Et le bustier est dangereux. Et j'en aurai besoin un petit peu. Alors le problème des mini médailles, ah, il y a même 115. Alors les estrades, les intérieurs de sanctuaire, c'est bon. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, pas mal. C'est bon. J'en ai 2-3 à regarder vite fait. Alors Arcadia déjà normalement. À moins qu'il y en ait encore dans une grille. Une porte à ouvrir si préféré. Ah non, non. Arcadia, ok c'est ça. Ça il m'en manque plein encore. Je me trompe pas. J'ai pas tout fait ici. Ah oui, j'ai encore rien fait ici. Ah oui, oui, oui. C'est parti. Hein. Plus intense. On va tout piller. Et l'un. Et le deux. Putain, j'ai aussi des livres à lire. Et 2, 3, boost de dragon carrément.
et de 4, brassard d'or. Alors qu'est-ce que tu nous caches toi en fait? Il s'agit de l'édition d'été du magazine Nous aimons nos âmes. La moiteur des nuits estivales favorise le retour à la surface des morts vivants. Il est légitime que même un aventurier équipé d'un fléau des zombies ne se sente pas en sécurité. Mais pourquoi vous inquiéter alors que vous pouvez vous fabriquer une tueuse de zombies? Rien de plus facile. Dans votre Ancient Marmite, combinez votre fléau des zombies avec un objet sacré. Essayez, c'est vraiment simple. Dans l'ordre. Une double porte. Oh, que j'ai déjà fouillé ici. Il y a beaucoup trop de bouquins. J'ai vraiment fouillé ici. Ça ressemble, hein. Si j'ai déjà lu les bouquins, ça va pas le faire. J'ai déjà fouillé ici aussi. Après, toutes les maisons se ressemblent, donc c'est chiant. La preuve, hein. Mais qui voilà. Bon, j'ai déjà fouillé cette maison. Il peut me manquer autant d'objets. J'ai quasiment tout fouillé. Ah, peut-être pas ici. Voilà. J'ai tellement pas fouillé qu'il n'y a rien en fait. Même pas un chat. Youhou. Y'a quelqu'un? Ah, y'a quelqu'un. J'ai déjà fouillé. C'est pas tout fouillé et il y a rien. Non, j'ai pas l'impression ici. Je me dis rien.
important. Oui, il peut me rester 13 objets dans un endroit où... Ah, queue de lapin, très bien. Une queue de lapin. Bah si j'ai pas fouillé, hein, on s'en servir. Il s'agit d'un journal d'un artisan. Cher journal, mon apprenti a amené un habit à l'atelier, une espèce de muscadin tout sec qui s'appelait Lorenzo. Il ferait mieux de se débarrasser de ses habits voyants et de mettre des vêtements de travail s'il veut vraiment devenir un artisan. Il se prend pour qui? Un noble ou quoi? C'était de la merde. Le grand patron des anneaux. Tout le monde sait que certaines bagues magiques peuvent protéger leurs propriétaires de différentes attaques. Mais rares sont ceux qui savent qu'il existe une bague assez puissante pour le protéger contre presque toutes les attaques. Selon la légende, cet objet serait constitué de trois autres bagues et protégerait le porteur de la paralysie, des illusions et du poison. La bague suprême. Bon, il y a des trucs à bousiller ici. La puce de vache, la mini médaille et de une. Sombre tentation. La tentation de passer du côté sombre peut être terrible. Même le moine le plus dévot peut y succomber. Il semble que la queue de diable et l'aile de chauve-souris ont un effet semblable sur les arbres sacrées. La tentation est très dangereuse. Donc voilà, l'utilisation de queue de diable et d'aide de chauve-souris peuvent transformer les objets royaux en objets maudits. Donc vous gâchez bêtement des bouts d'oricalque et des couronnes de gluants juste pour pouvoir compléter à 100% la chimermite. C'est une chose que je ferai jamais. Hein. Ça coûte trop cher et ça prend beaucoup trop de temps déjà de récupérer une couronne de gluants comme vous pouvez le constater. Alors si en plus c'est... vous amusez à vouloir compléter la chimermite à 100%. Y'a personne? Y'a des coffres, ça m'énerve. Il me restait genre 6 objets à trouver. Moi, beaucoup trop. Mais c'est qu'il y en a des coffres ici. Et je peux ouvrir la porte cette fois, nickel. C'est parti. Et une mini médaille qui fait deux. Et une ceinture de titan. Et une graine de magie, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est cool. Ça permet de fouiller jusqu'au bout. Hein. Alors on en est où? J'ai plus les comptes. Il en reste 3. Putain, déjà 10 sur 13. T'as rien d'autre toi de ton côté? Et suivant. Tu peux fouiller ça? Si. Un truc in. Un truc d'armes, un truc d'armure. Ok, rien.
Des trucs ici. Oula, le pot caché. Toc toc. En fait, il me reste plus que le in à fouiller. Il n'y a rien dans le in. J'ai rien dit. Ça a été déjà fouillé. Ah non! Un seul objet. Deux objets, dont une mini médaille. Encore du fromage, s'il vous plaît. Si vous avez une envie de. Pardon. Si vous avez une envie subite de fromage sec, essayez de mélanger du sel, gemme et du fromage. En revanche, si vous vendriez votre mère pour un fromage coulant, vous devriez essayer de mélanger du sel gemme avec du lait frais et de la présure. C'est le miracle de la cuisine avec l'alchimarmite. Modifiez légèrement la recette et vous obtiendrez des résultats complètement différents. Je découvre plein de nouvelles recettes. Alors, 2 sur 3. 2 sur 3. Manque un objet. Il y a encore deux lieux que j'ai pas fouillé à nouveau. La chapelle là. Et là. Je vais vérifier un truc vite fait. Il y a rien. Il reste plus que la chapelle. En vrai, c'est. Ou un coin paumé dehors. M'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis juste à côté du. Du zone du paradis XP. Donc ça c'est nickel. Je vais pouvoir encore XP un petit peu. Pour la prochaine fois. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup mercredi pour une séance soit sur World of Warcraft, soit sur Minecraft. À voir, ça va dépendre si je pars en raid ou pas. Ensuite, on se retrouvera vendredi pour notre séance Genshin Impact Aventure Compagnon. Beaucoup de choses à dire parce que grosse mise à jour. J'expliquerai tout ça en temps et en heure. On se retrouve ensuite samedi en toute logique sur un stream détente. Comme d'habitude, j'attends tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du Yu-Gi-Oh!
Sinon, ce sera du Genshin Impact avec Exploration Compagnon. Et enfin, on se retrouve lundi prochain pour plus de farming d'XP long et chiant. Mais je vais aussi en profiter pour finir la quête des mini-médailles. Donc ça va être comme ça, on va faire 2 heures d'XP, 1 heure de quête, 2 heures d'XP, 1 heure de quête. Et après, vers la fin, ce sera 2 heures d'XP, 1 heure d'épreuve. Je pense que ça devrait être plutôt cool si je le fais comme ça et pas autrement. Sinon, à enchaîner les phases d'XP, même moi, je pète un plomb. Mais voilà. Après, celui avec les mini-médailles, ça reste assez chiant dans le sens où il y a quand même pas mal de trucs à l'extérieur, quoi, dans le monde. Je vais regarder d'un peu plus près la quête des mini-médailles pour la semaine prochaine et je pourrai mieux m'y concentrer. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne année plus, tous ces gens.